À son ami qui était passé depuis au moins 10 minutes. Avant, je faisais du mime. Je mimais celui qui fume une cigarette. Et ça donnait ceci. Et ça plaisait beaucoup. Les gens criaient « Une autre, 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 une autre !» Je ne pouvais plus m'en passer. Il y a un type qui passe, il me dit « Je ne suis pas curieux, mais pourquoi enfoncer un clou ?» J'ai pas d'explication à vous donner, moi. J'enfonce un clou. J'enfonce un clou. Ouais, mais moi, j'aimerais bien savoir pourquoi. J'ai pas à vous dire pourquoi j'enfonce un clou. J'enfonce un clou, c'est tout. Et je continue à enfoncer mon clou. Bon, il me restait ça à peu près à enfoncer. 2 centimètres. Le type, il sort une tenaille. Il arrache mon clou. Il arrache mon clou. Bon, passons. Je vais plus penser à ça parce que ça deviendrait une idée fixe. Mais alors, je vais vous le dire, moi, vous. Il est parti.
le clou. C'était pour accrocher ma scie. C'est une scie. J'ai acheté un type. Il sait sa femme en deux dans les foires. Il a installé sa moitié dans une caisse. Et il scie la caisse en deux. Et les deux moitiés de sa femme tombaient dans la sueur. Un jour, sa femme en a eu assez de se faire scier. Elle a arraché son clou. Et elle n'aurait pas arraché mon clou à moi. Qu'est-ce que je vais devenir, moi, maintenant? Qu'est-ce que je vais faire? Je vais plus oser enfoncer le clou. Bon. Ah, je parle en nommant au bureau, c'est gênant. Qu'est-ce qu'il est collant, Steve? Alors là, je dis rien parce que je veux pas faire de scandale. Hein. Alors quel pot de colle, hein. Il se fait des idées ou quoi? J'ai accepté de danser avec lui, pas faire tapisserie devant les copines. Hein. Mais alors là, j'en vois plus le bout, hein. Mine de rien. Je suis en train d'emballer, moi. J'emballe. Allez, vas-y, je nous attaque. Ça mort. Allez, Yano. Allez, Calo. Ça n'en finit pas. Qu'est-ce que je regrette d'avoir... indispensable. Tenez-vous comme à table. Car c'est ici que tombent en ruine, avec odeur et triste mine, les restes de la cuisine. Rien. Je ne veux rien faire. Je savais pas où aller. Comme j'avais entendu dire, à quand les vacances? À quand les vacances? Je me dis, je vais aller à Caen. À Caen, ça tombait bien, j'avais rien à y faire. Alors, je boucle la valise et je m'en vais prendre le corps. Ah, je vais demander à l'employé, là. Oh! Pour quand? Quelle heure? Pour où? Pour quand? Comment voulez-vous que je vous dise tant si je ne sais pas où? Vous ne savez pas où et quand? Ben, si vous ne me le dites pas. Mais je vous ai dit quand? Vous ne m'avez pas toujours dit où. Monsieur, je vous demande une petite minute d'attention. Je voudrais que vous me donniez l'heure des départs des cars qui partent pour quand? Mais enfin, quand dans le Calvados? Un étrange comportement. Dans mon jardin, j'ai un chêne. Un chêne? Eh bien, depuis quelque temps, on dirait qu'il sent sa dernière heure arriver. Il sent déjà le sapin. J'ai observé que dès que la nuit tombait, il avait peur. Il a peur dans le noir, comme un enfant. Bon, c'est un arbre poltron, quoi. La nuit dernière, il y avait de l'orage. Oh, et à chaque éclair, je voyais ses branches hérissées autour de son tronc. Ah! Ah! Et tout ça dans un bruit de chêne. Car un chêne qui a peur, ça fait du bruit. Ça fait comme un claquement de dents. Oui, mais dehors. Ce sont ses glands qui, sous l'effet de la peur, s'entrechoquent. Il claque des glands, quoi. Tiens, un autre exemple. Chez moi, à l'étage du bas, j'ai un lierre. Oh, qui grimpe contre les murs. Je ne dis trop rien, je fais celle qui ne voit pas. Mais depuis quelque temps, il en abuse. Hein. Il se déplace. Il grimpe au-dessus des fauteuils. Il s'enroule autour des meubles. Et vous savez comment il fait ça? Il tire sur ses racines et ramène son pot sous lui. Ben, il est propre, mon lierre. En France, l'acné qui finit a été, en somme, favorable. Le bilan est
aux idées. Pendant ces 12 mois, la France a continué de monter. Il nous est né 900 000 bébés. Françaises, françaises. Augmentez les siestes crapuleuses. Et faites part d'un certain sens du partage. Vive la République, vive la France. Alors, oui, il a peur des voisins. Parce que quand Mougnot, il rugit, il... Alors Mougnot, faites... Il fait comme ça, votre lion. Bon, c'est un pauvre niais. Oh, c'est parce que tu ne laisses pas rugir normalement. Allez, mon lion, montre-lui. Allez, rugis, rugis. Oh là là là, il est complètement fou. Hein. Faudrait peut-être le faire enfermer. Hein. D'ailleurs, avec les voisins, nous allons faire une pétition. Hein. J'ai fait appel à un vétérinaire. Une vétérinaire. Et mon lion, quand il a vu la vétérinaire arriver, il a poussé un surrugissement. Bah, c'est ce qui l'a sauvé. La vétérinaire a dit « Oh, mais Seigneur, Rugis, tu l'as fait normalement. Il n'y a aucune raison de l'enfermer, voyons. » Ah, vous savez ce qu'il a fait, mon lion? Il a fait « Chut !» Oh, c'est qu'il est intelligent, mon lion. Mais il m'en attire des soucis. Ah oui, il m'en attire. Oui, eh bien, moi, je vais vous dire une chose, cher monsieur. Il a fait pipi sur mon paillasson, votre lion. Pourquoi c'est pas mon lion? Bon, si c'est votre lion. Non, 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 je dis que c'est pas mon lion. Bon, alors, si c'est pas votre lion, qui est-ce? Eh ben, c'est moi, madame, et tâche mon besoin. Ouh, malotrube. Les gens sont très attachés à ce qu'ils font. Je connais un monsieur, il est autostoppeur professionnel. Oui, il est autostoppeur professionnel. Il vient de lui arriver un accident du travail. Il a perdu un pouce. Alors, il peut plus travailler. Il peut encore aller par là. Heureusement, il a 2 doigts de la retraite. Je vais me foutre une barre.